Amis youtubeurs, amis pilotes, amis simmers, très chers amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sim to Heaven. On est ensemble aujourd'hui afin que je puisse vous présenter mon setup. Mon setup, c'est l'endroit sur lequel je travaille, donc je vais vous présenter aujourd'hui mes écrans. On va voir ensemble aussi mon matériel que j'utilise, ma tour, bref, l'endroit où je passe, on va dire, 80% de ma vie, et le reste qui est éparpillé entre les enfants, le dodo. Et puis la bouffe, bien sûr, bien sûr. Voilà, alors on va commencer tout de suite par les écrans. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai deux écrans. J'en ai un qui est plus grand que l'autre. Alors les choses, elles devraient changer dans pas longtemps, je l'espère, avec deux écrans identiques de 31 pouces. Donc là, j'ai un premier écran sur lequel il va y avoir le simulateur, donc X-Plane ou FS 2020. Sur le premier écran, je vais avoir le simulateur, donc avec le cockpit, qui va me permettre donc de piloter l'aéronef. Sur le second écran, je vais avoir le logiciel qui me permet soit d'enregistrer les vidéos commentées, les vidéos tuto, d'avoir les cartes d'approche. Vous savez que c'est très important d'avoir les cartes d'approche juste à côté quand on vole en IFR ou en VFR les cartes VAC. Et puis de pouvoir avoir les commentaires, les réactions quand on fait des lives sur la chaîne. Mais voilà, deux écrans de taille différente. Il est un tout petit peu plus petit, celui de gauche, mais pour l'instant ça me convient. Voilà, donc ça c'est, hop, je vais faire ça comme ça, pardon, ça c'est pour les écrans. Donc j'ai pris des écrans de marque Asus, j'aime beaucoup Asus, je trouve qu'ils font de très bons produits, ils ont un super service après-vente aussi, et ils sont très très pros sur le rendu de leurs produits. Au niveau du vol, parce qu'on est quand même là pour le vol, j'utilise, du coup, vous voyez, les panneaux SciTech. Alors attendez, je vais faire ça comme ça, ce sera mieux, voilà, pour la lumière. Les panneaux SciTech qui fonctionnent avec tous les aéronefs, que ce soit sur X-Plane FS 2020. J'utilise surtout sur X-Plane, donc sur tous les aéronefs, que ce soit Cessna, Airbus, Boeing. Ça fonctionne très très bien. Donc là, c'est le panneau radio qui me permet ici de switcher, vous voyez, les radios. Hop, voilà, de gauche à droite. J'ai aussi la possibilité d'avoir, regardez, plusieurs choix, donc soit comme 1, soit comme 2, vous voyez, à chaque fois c'est doublé. Et puis j'ai carrément aussi possibilité d'avoir, je sais pas si vous voyez, mais l'ADF et puis le transpondeur, donc le squawk, je peux le régler d'ici, c'est ce qui est très bien. Le petit stylo 4 couleurs, ah, le stylo 4 couleurs, c'est important. Pourquoi? Ben pourquoi? Pour pouvoir noter les informations, la TIS et puis l'éclairance de l'ATC quand on est au sol, pour noter les informations, pour ne pas être perdu. Donc je vous encourage, moi, très très vite, à avoir un ou deux stylos. Comme ça, s'il y en a un qui ne marche pas, vous avez le second, afin de pouvoir être tranquille pour l'éclairance. Le deuxième matériel que je vous... Hop, je vais enlever ça. Le deuxième matériel SciTech, c'est sans doute celui que j'adore. Le module qui permet de gérer l'avion, ben pareil, hein, que ce soit le Cessna, que ce soit le Pilatus, ou que ce soit le DR400 ou le Boeing, je peux gérer mon avion, en fait, grâce à ce panel. Je peux rentrer les trains, le sortir, le mettre en route, vous voyez, ici, et puis gérer toutes les lumières qu'il y a, donc le strobe, les lights, tout ça. Et puis pour finir, le dernier panneau SciTech, je vais enlever ça, c'est le module du pilotage automatique. Alors qui permet de gérer le pilotage automatique, que ce soit le mode LNAV, VNAV du Boeing, le mode Heading ou bien le mode VOR de votre aéronef. Quel que soit l'avion que vous utilisez, on a, vous avez vu ici, l'auto-throttle, les flaps et puis les trims qui sont là. Donc que j'utilise très peu parce que j'affecte une touche sur mon yoke et puis c'est la possibilité de changer. Voilà, alors ce qui est bien, c'est que la gestion des trois modules se fait via un logiciel. Je ne sais pas si vous voyez l'onglet ici, qui s'appelle SpadNext. SpadNext est un logiciel qui est payant, mais qui est très bien, qui vous permet d'avoir des presets sur des avions, ou alors de créer vous-même vos presets, c'est-à-dire eh ben, telle touche, c'est ça, telle touche, c'est ça. Je dis un exemple, là, c'est pas parce que c'est marqué ici alternateur que ça gère l'alternateur. Ce serait d'ailleurs très, très très dur de trouver ça sur un Boeing, par exemple. Donc moi, sur mon Boeing, j'ai ici la batterie que je mets sur ON, et ce bouton-là, il va correspondre à l'APU, d'accord? Ou alors au GPU, ça dépend, je peux configurer comme bon me semble. Là, c'est pas pour mettre en route l'avion, là, c'est pour sélectionner, par exemple, sur le Boeing, les engine start. Donc là, c'est sur ground, le moteur 2, là, c'est le premier moteur, là, c'est pour les mettre sur continuous,
Et puis là, c'est pour les remettre en fait sur le mode neutre. Voilà, donc vous voyez, on peut affecter un peu les touches, c'est ce que je trouve super sur le module SPAD Next. Donc voilà, hein, c'est quand même du matériel, je suis assez content de l'avoir fait. Je m'étais fait un petit bureau en été, vous vous souvenez, où j'ai tout incrusté les modules pour les avoir à proximité, que ce soit moi qui vole ou mon fils. Voilà, donc on va continuer la petite balade, on va aller ici, vous allez voir, sur... Juste là. Voilà, et là on a le throttle, donc le throttle de chez SciTech qui nous permet de gérer eh bien, la progression de l'avion. Hein. On peut affecter les différentes touches en fonction de ce dont on a besoin. Pardon. Ici la manette des gaz, si je vole sur un Cessna 152, je ne vais pas avoir besoin de cette touche, mais juste de celle-là. L'enrichissement et les gaz. Et puis ici, la manette bleue qui règle le pas de l'hélice. Alors là, ça va être sur des avions qui sont un peu plus évolués que le Cessna 152. Ça va être par exemple eh ben, le King Air. On peut régler le pas de l'hélice. La possibilité aussi de gérer sur le Boeing. Par exemple, sur le Boeing, je vais avoir ici, c'est les speed brakes. Et ici, je vais avoir manette des gaz. Avec si je descends plus bas, d'un cran plus bas, je vais avoir les reverse qui sont activés. Voilà. Et puis là, je vais avoir toutes les touches que j'ai affectées. Donc ça va dépendre. Là, c'est la mise en route des moteurs. Par exemple, quand j'envoie le kérosène moteur 1, moteur 2, le bouton toga. Là, c'est quand je parle avec Linda. Le frein de parc. Et puis ça, c'est un bouton que j'utilise pas. Et puis évidemment pour piloter l'aéronef, je vais enlever ça, comme ça ce sera mieux, et je vais mettre de la lumière là. Donc pour piloter l'aéronef, c'est le fameux Yoke de chez... alors on va plus dire SciTech, on va dire Logitech maintenant, parce que SciTech n'existe plus. Donc le Yoke de chez SciTech, de chez Logitech, pardon, comme le throttle. Le Yoke de chez SciTech fonctionnait bien, on dit encore chez SciTech, vous voyez, il fonctionnait bien à une époque. Ils étaient encore tout seuls sur le marché. Quand vous l'achetez, 5-6 mois après, ça va, ça tient le coup. C'est après en fait, hein, quand ça vieillit, que ça va pas trop. Je trouve que c'est un produit qui vieillit très très mal, les amis. C'est quelque chose qui est bien, il fait le boulot, mais basta. Si vous voulez aller chercher de la précision dans vos vols, si vous voulez aller chercher de la finesse dans les vols, surtout avec les petits aéronefs, je vous conseille pas de le prendre. Je vous encourage à garder ce que vous avez, même si c'est un très vieux joystick poussiéreux qui grince et tout, et d'économiser pour pouvoir aller vous diriger vers Honeycomb. Alors je n'ai aucun partenariat malheureusement avec Honeycomb, et du coup je ne peux pas vous faire de présentation du Yoke de chez Honeycomb. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il est bien mieux que le Yoke de chez Logitech. Le gros souci, c'est vraiment déjà le bruit. Alors malgré le fait que je l'ai bien graissé et la semaine dernière, vous voyez qu'il y a quand même cette zone qui est là. Voilà, c'est cette zone qui est bizarre, qui fait que ça gêne un peu en fait. Vous voyez, ça gêne un peu au niveau de l'attaque là. Voilà. Et donc quand il faut aller chercher de la finesse pour aller piloter, même si vous réglez les zones neutres sur le simulateur, hein, quand même, vous pensez bien que j'ai essayé, ah, ça reste quand même très 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 léger, c'est moyen. Donc moi je vous déconseille à tous les coups, vous allez voir des prix cassés sur le Yoke de chez Logitech qui va être proposé par des Simmers. Moi je vous déconseille, hein, même si vous les voyez à 100 euros, gardez votre matériel, économisez un peu et faites-vous plaisir avec du bon matériel qui va vieillir avec vous, pas avec un truc qui est en plastique. Vous voyez, c'est vraiment très 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 limité le matériel de chez Logitech. Bon, après les boutons ils sont ce qu'ils sont, je les aime bien, ils sont pas mal. Le petit champignon, je l'aime bien, là il est très bien fait. Là aussi, ils sont bien placés. Mais c'est tout. Si c'est que ça, franchement, je préfère avoir des boutons mal placés, un truc qui fonctionne bien. Mais là, c'est très difficile. On a l'avantage d'avoir le petit cadran, je sais pas si on voit, mais avec l'horaire, qui permet de définir un peu l'horaire. Et puis d'avoir aussi, vous voyez, le chronomètre. Donc je peux mettre le chronomètre. Et voilà, je tac et je réinitialise. Derrière, il y a un bouton qui me permet de parler à l'ATC. Ici, vous voyez. Et puis là derrière, j'ai pareil, j'ai un bouton qui me permet de gérer en fait la vue dans le cockpit quand je tourne la tête. C'est tout. Voilà. Alors c'est un produit que je vais garder parce que
Il fonctionne, mais si j'ai l'occasion d'aller vers Onécombe, c'est clair que j'irai vers Onécombe. Du coup, voilà, pour le pilotage, les panels SciTech qui fonctionnent très très bien. L'autotrottle, excusez-moi, le trottle qui est juste là. Et puis le yoke de chez SciTech. Au niveau sonore, j'utilise un casque. Qui est très bien, Plantronic, c'est vraiment le produit que j'adore. Et au niveau du son externe, j'utilise des enceintes créatives, elles sont vraiment au top. Le son est vraiment superbe, donc j'en ai une ici, j'en ai une derrière et en bas. Et ça va faire une belle transition. J'ai le caisson de basse qui permet d'avoir un son qui est pas mal hein, pour pouvoir reproduire les sons de l'avion. Là, je peux vous dire que c'est un régal de piloter avec ça. J'en viens justement, vu que je suis par terre. Attendez, hop là, voilà, ici. Peut-être le matériel qui a été le mieux réussi de chez Logitech. Alors peut-être que c'est eux qui l'ont développé directement, contrairement au Yoke et au Trottle. C'est le Palonnier. Alors le Palonnier, il est vraiment au top. J'ai rien à dire. Hein. Moi, je lui mets 10 sur 10. C'est un produit qui est parfait. On peut régler, vous voyez ici, la taille pour le pédalier. Donc c'est bien quand c'est mon fils qui pilote. Et voilà. Et puis vous pouvez aussi régler la résistance ici à travers cette molette. On a la possibilité de régler la résistance. Donc là, j'assouplis un peu le poids du palonnier. Du coup, quand je vais tourner, vous voyez, j'ai très peu de résistance. Et donc moi, je me mets un peu plus de résistance parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Ça fonctionne très bien, c'est très réactif, c'est facile à installer, c'est solide, c'est quand même mastoc, hein, vous pouvez le fixer au sol. Vous voyez que moi j'ai mis des petites planches derrière pour pouvoir le retenir, pour pas qu'il glisse. C'est vraiment quelque chose qui est très bien. Pour moi, à mon goût, sur tout le matériel que j'ai, c'est sans doute le meilleur matériel avec les panels SciTech que vous avez vu tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, celui-là vous pouvez l'acquérir. À mon sens, c'est un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur produit proposé par Logitech pour la simulation aérienne. Ce que je trouve dommage d'ailleurs, parce que sur la simulation aérienne, il y a des choses à faire. Voilà. Ensuite, hop, je me dirige sur ma tour. Ça, c'est mon bébé. Alors, vous voyez, au niveau de la tour, j'ai pris quelque chose de sobre. Je ne suis pas allé chercher une tour avec des lumières, tout ça. J'aime pas trop. Je préfère la sobriété, quelque chose qui est fermé, très bien aéré. Hein. C'est une tour Be Quiet. Vous voyez, je ne suis pas allé mettre des millions dans la tour. Je suis allé chercher la sobriété et puis l'aération et la facilité d'ouverture. L'avantage, c'est que j'ai un filtre qui est là, que je peux enlever. Voilà, que je peux nettoyer. Alors, on voit à l'intérieur hein, le radiateur, tout ça. Je peux changer le filtre aussi, parce que celui-là, c'est un filtre anti-bruit. Si je veux, je peux mettre aussi un filtre pour mieux aérer le dessus de la tour. Donc, en sachant qu'il y a quand même 4 ventilateurs, il y en a 3, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Et puis, ici, vous avez des zones d'aération qui sont là. Voilà. Les disques durs, ils sont sur les côtés. Et puis, j'ai un filtre en dessous, un filtre pour la poussière, vous voyez. Voilà, que je nettoie tous les dimanches. Donc, tous les dimanches, il y a l'entretien de l'ordinateur qui est fait, de la tour qui est faite. Donc, je démonte la tour, je retire le socle, et puis je nettoie la poussière qui est sur les ventigrades. Donc, vous savez, sur les pales des ventilateurs, vous pouvez avoir de la poussière qui se dépose. C'est embêtant, ça va pas tuer l'ordinateur, mais c'est embêtant, ça peut réduire la vitesse de rotation des ventigrades, ça peut aussi obstruer les aérations. Donc je prends le temps de tout nettoyer, de tout vider, de tout nettoyer. Ça lui fait du bien. Et du coup, ça permet aussi de lui trouver d'être un peu plus propre. Parce que ça fait quand même de la poussière qui est volatile et c'est pas bien. Vous pouvez voir que la tour, pardon, elle est surélevée. Je la pose jamais au sol, moi. Toujours surélevée, comme ça au moins elle est bien aérée. Ça lui permet d'être aéré et puis de pouvoir ne pas aspirer tout ce qui est en dessous. Et encore, j'ai de la chance, j'ai pas de la moquette. Si ça avait été de la moquette, c'est pas bon. Pensez bien à surélever la tour, à laisser un peu d'espace. Vous voyez là, je laisse de l'espace pour pouvoir aérer ma tour. Voilà. Normalement, ici, vous devez voir, il y a, hop, voilà, le disque dur externe qui est là. Et puis, j'ai les ports USB qui sont en façade. J'en ai deux avec des entrées que je n'utilise pas pour le microphone et pour le casque.
Alors cette tour, qu'est-ce qu'elle comporte à l'intérieur, pardon, cette tour en fait? Nous avons un processeur Intel, moi je suis adepte de Intel depuis toujours, donc Intel i7 9770K qui est overclockable mais que je n'ai pas overclocké, je trouve qu'il tourne très très bien à la fréquence de 4,3 GHz je crois. J'ai une carte graphique RTX 2070 à 8 Go, donc je la trouve très très bien pour ce que je fais. Si j'avais pu, je serais allé chercher la 2080 Ti, mais c'était un peu trop cher à mon goût. Et puis en mémoire RAM, j'ai 32 Go de RAM, je sais plus quelle DDR, je crois que c'est la dernière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le montage, la réalisation, la création, appelez ça comme vous voulez, d'un ordinateur, elle se fait en fonction de ce dont vous avez besoin. Ok, moi j'avais besoin d'un microprocesseur puissant parce que derrière il y a le logiciel qui tourne qui permet d'enregistrer les vidéos. J'avais besoin aussi d'une carte graphique qui soit assez puissante parce que je voulais utiliser tranquillement mon simulateur. Mais ça pour moi c'est un curseur, hein. Il y a des systèmes en dessous qui tournent très très bien. Moi j'aime bien ce modèle-là, je trouve que c'est un bon produit, je suis très content du microprocesseur, j'adore. Après prendre du i9, tout ça, si vous n'en avez pas l'utilité, si vous ne faites pas des vidéos, tout ça, c'est peut-être pas la peine. Un i7, un i5, ça convient très très bien à la simulation aérienne. Faites très attention à ce qu'on vous vend. Donc renseignez-vous sur les forums, vous avez ma config, faites bien attention à tout ce qu'on peut trouver aussi. Donc voilà, ça c'est pour le côté hardware, on va dire. Vous avez vu un peu tout mon setup. Le clavier, ben, j'ai un clavier qui a un peu plus de touches. C'est un clavier Logitech. Alors ça, c'est la télécommande qui gère le son, vous voyez, créative. Donc c'est bien, qui gère le caisson de basse ici, là le volume. Et là, on a le clavier. Donc ce qui est bien, ce clavier, c'est qu'il y a quand même pas mal de touches, vous voyez. Pour affecter les touches à X caméra par exemple, c'est très bien, j'en ai plein. Et puis bah, j'ai des informations sur le clavier si je veux avoir d'autres infos. Je peux avoir les informations du jour aussi, mais bon, quelque chose qu'on n'utilise jamais. Là, franchement, l'utilité c'est vraiment d'avoir plusieurs touches. Donc je trouve très très bien ce clavier, tout comme la souris. La souris c'est une Corsair. Voilà, le mulot, c'est un mulot de chez Corsair. Plusieurs touches, c'est vraiment un truc que j'adore. Alors ça, pour rien au monde, je crois que je m'en séparais. C'est vraiment une super souris que j'aime beaucoup. Donc voilà pour la souris, une souris Corsair. Et puis donc le clavier, on a dit clavier Logitech. Voilà, on a un peu tout sur le bureau. C'est un peu tout ce dont j'ai besoin pour voler tranquillement. Des informations sur le Boeing. Ici, c'est les procédures de retournement qui sont là, que vous voyez ici. Voilà, et là, ça, c'est les pompes de mon fils pour les niveaux de vol pair et impair et pour décoder le métard. Donc, il s'est fait des petites fiches. Enfin, je lui ai fait des petites fiches pour qu'il puisse décoder le métard. Ça peut être bien. On a ici, regardez, le fameux HEV. Donc, ça, c'est vraiment très vieux. C'est à l'époque où je passais mes examens. Donc HEV, et vous avez vu que ça a été customisé par mes enfants, enfin par mon fils, et par une tasse de café aussi. Et je peux vous dire que du coup, le café et les ordinateurs, ça fait pas bon ménage, et je vous assure. Donc voilà, ça a été, c'est des bons souvenirs, ça. Du coup, je le garde avec moi. Mon chronomètre, alors le chronomètre, très important, le chronomètre. Pourquoi? Parce que même si j'ai le chrono sur le SciTech, je préfère utiliser le chronomètre à l'ancienne pour chronométrer mes temps d'éloignement, mes temps de rapprochement, mes distances par rapport à des balises ou par rapport à des points de cheminement, comme on nous l'a appris. Donc le chrono, c'est très important. De même, vous avez dû l'avoir, que la petite boussole. Alors, elle est très très vieille cette boussole, c'était papa qui me l'avait offert. Je fais un gros bisou d'ailleurs. Et très utile la boussole, hein. Même si on est chez nous, même si vous êtes sur le simulateur, c'est bien de pouvoir vous dire à des moments, ben voilà, si je dois faire une procédure de retournement, si je dois faire un 90, 270, ce genre de choses, et bon, ben, il faut que je sache vers quel cap je me dirige, d'où je viens, etc. Donc une boussole, je trouve que c'est le top. En plus, elle est petite, elle est jolie, je la mets toujours ici. Voilà pour la boussole. Et puis voilà deux trois choses. Ça c'est quoi ça? Ça c'est le FCTM. Ah, ça c'est ce qu'il faut réviser. Page 326, le FCTM de chez Boeing du 737. Et puis ici le petit calepin.
le petit calepin dont on va avoir besoin pour prendre des notes, de la TC, n'est-ce pas? Messieurs, je vous encourage, hein, pareil, le petit stylo, le calepin, je prends des notes de ce que me dit la TC avec les mots que je comprends et que j'utilise. Hein, si moi vous voyez mes notes, vous n'allez rien comprendre quand je lis une clairance. Par contre, moi je me comprends et c'est très important. Et vu que moi je me comprends, après je peux retranscrire la clairance de l'ATC bien proprement. Voilà pour le setup. Quoi d'autre? Ouais, ben après vous avez quelques checklists. Ah, il y a quelque chose que je voulais vous montrer aussi. Quelques checklists, on va les mettre là sur le clavier, voilà. Ah, c'est vieux, c'est des vieilles checklists. Ça, c'est les checklists du CRJ700, le pauvre. Je me souviens. Voilà. Et puis la checklist que j'utilise de Boeing. Alors, celle-là, c'est celle d'un Cessna, je crois. C'est ça, c'est le Cessna, je crois. Et voilà, celle de Boeing que j'utilise. Elle est là. Et j'en ai une autre officielle. Celle-là, c'est une normal checklist. Vous en avez deux des normal checklists. Elle est très bien faite dans le sens où elle reprend tous les items importants de la pré-flight. Vous voyez, before start, etc. Et j'ai d'autres checklists qui sont officielles, mais celle-là, elle est très très bien. Je pourrais vous la faire passer si vous voulez. Du fait que j'ai Linda maintenant, j'utilise plus trop j'utilise plus trop les checklists, mais bon, c'est bien de les avoir quand même sous les yeux, hein. C'est très important d'avoir la checklist sous les yeux. Voilà pour les informations sur le setup. Je crois que j'ai tout dit. Si, deux, trois choses. Alors, je vais vous montrer un truc quand même. Ici, le petit masque qui est sponsorisé par Boeing. Voilà. Masque, ce type de masque que je vais mettre en vente. Vous savez que je suis en train d'ouvrir la Sim to Heaven Shop, en fait, donc une boutique spécialement consacrée à l'aéronautique, notamment ce genre de masque avec un filtre obligatoire à l'intérieur. Donc c'est le genre de produit que je vais vendre sur la boutique. Le filtre, il est homologué, donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis, masque aux couleurs de Boeing, merci Boeing. Et puis Airbus, je vais avoir du Airbus aussi. Et puis, d'autres types de masques que je peux... que vous allez trouver sur la boutique Sim to Heaven. Vous aurez aussi, ben je vais en profiter pour vous montrer, alors attendez, je mets ça comme ça. Voilà, vous aurez aussi ce type de produit. Alors attendez, bougez pas, c'est un peu, voilà. Donc ce type de produit, je sais pas si vous voyez, un porte-clés. Voilà, un porte-clés en forme de réacteur, il est trop beau, je l'adore, il est trop joli. Voilà, qui sera en vente sur la boutique Sim to Heaven, monsieur, à venir, hein, très prochainement, vous allez voir. Donc ici, là on a le petit porte-clés, tranquillement. Voilà, en forme de réacteur, je trouve très très bien fini. Et puis on a un deuxième, je vais vous le chercher. Voilà, il est là. Et un troisième qui est là. Alors ici, je ne sais pas si on voit bien, mais ce sera porte-clés, donc Fly Safe, que j'ai fait faire. Donc vraiment, c'est mon logo, vous savez, hein, Fly Safe. J'aime beaucoup le petit cœur. Et puis, quelque chose que vous devez connaître, voilà. Le capuchon de la soupe Pitot, Remove Before Flight, qui sera aussi disponible en vente sur la chaîne Sim to Heaven très prochainement. Voilà. Et puis, vous allez avoir ce type de produit. J'arrive. Alors, je vais en faire au logo de la chaîne. S2H, Sim to Heaven. Et puis vous allez avoir des mugs comme ça pour boire le café, la tisane, le thé à la menthe, le pastaga même, le pastis pour les Marseillais pendant les longs vols. Donc ça va être très pratique, ils sont très jolis, très très bien faits. Donc je vais en avoir un comme ça. Et puis j'en aurai aussi comme ça. Voilà. Et très prochainement, des mugs aux couleurs de la chaîne Sim to Heaven. Et puis pour finir la petite présentation, je vais avoir aussi, hop, des tapis de souris. Donc je les trouve très très jolis, différents coloris. Hein. Donc tapis de souris sur le thème de l'aviation, toujours de l'aéronautique. Je dois voir lui, voilà, regardez celui-là comme il est joli aussi. Voilà, donc ça c'est. Il est joli cet avion. Alors je vais les mettre comme ça, peut-être qu'on les verra mieux. Voilà, donc ce genre de tapis de souris
qui fonctionne avec les souris laser, hein, c'est ça, hein, les souris. Avant il y avait des petites boules sur les souris, mais on n'en a plus. C'est des souris laser. Donc voilà ce genre de produits qui seront en vente sur la boutique Sim2Heaven qui devrait arriver dans très peu de temps. Alors vous savez que j'essaie de me professionnaliser sur YouTube à travers des abonnements premium. J'avais déjà fait une vidéo, c'est en train de se mettre en route. Je suis quelqu'un qui est très protocolaire, j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Je crois que c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup l'aviation. J'aime bien faire des checklists, donc il faut faire ça, ça. Et du coup, là, je suis en train d'attendre que que les personnes qui me chapotent, me supervisent, en fait, me donnent le feu vert pour pas faire n'importe quoi, parce que j'ai vraiment envie de faire les choses dans l'ordre. C'est pour ça que c'est un peu plus long que prévu. Ça aurait dû démarrer en janvier. On est un peu en retard. C'est à cause de la pandémie, vous savez ce que c'est. Mais la boutique, elle est en ligne, elle n'est pas disponible. Elle va très très vite arriver, vous allez voir. C'est vraiment un produit qui va être très très bien. Ça c'est le téléphone. Et du coup voilà, donc voilà le type de produit qui va être disponible sur la chaîne, hein, des mugs, des porte-clés, tout ça. Et puis des abonnements premium qui vont venir pour que vous puissiez vivre votre passion au plus près. Des abonnements premium qui vont vous permettre, selon des tarifs qui seront à très très bas coût, je vous rassure, d'avoir une assistance sur par exemple votre simulateur, sur vos avions, sur la prise en main de votre PC s'il y a un souci, sur l'installation de plugins, sur la mise à jour et sur la surveillance par exemple pour les possesseurs d'X-Plane, sur la surveillance de votre custom scenery et des mises à jour, c'est-à-dire que quand il y a une mise à jour, et ben voilà, c'est le but du jeu, c'est de pouvoir vous dire, ben voilà, une mise à jour qui est disponible, est-ce que tu arrives à la faire ou pas. Si tu n'y arrives pas, bon ben c'est moi qui gère l'ordinateur à distance. Je le fais déjà avec un abonné, je peux vous dire que c'est superbe. Le but du jeu, c'est d'avoir un système plug and play, où vous vous asseyez, vous pilotez, en sachant quoi faire s'il y a un souci. Donc il y a un aspect pédagogique aussi derrière, et puis tout ça devrait arriver très très vite, les amis. Voilà, sur ces images de mon setup, oui, regardez, ça c'est trop beau. Je crois que de tout le setup, c'est ce qui est le plus beau, je pense. Les dessins des enfants, pour dire allez papa, fonce. Du coup, c'est vraiment super joli. Et sur ces images du setup, je vous souhaite à tous un très très bon mercredi. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Faites attention à vous. Et puis nous, on se tient au jus très très vite sur la suite des aventures, hein, avec Sim2Heaven. Des vidéos tuto, des vidéos commentées, des lives. Je vous assure que les lives vont très vite arriver, vous allez voir. Moi, je vous laisse. Ah, j'ai oublié de vous présenter mon meilleur ami. C'est ma chaise, c'est mon lit, c'est mon canapé, c'est tout ce que vous voulez. Je passe beaucoup de temps dessus. Et du coup, ouais, voilà, c'est la chaise qui me permet d'être tranquille. J'ai eu un accident de moto il y a quelques temps. Du coup, j'ai quand même le dos qui est un peu... qui a beaucoup ramassé. Et donc, le fait d'avoir une chaise comme ça, ça me permet d'avoir une position assise, qui est très bien parce qu'on passe beaucoup de temps. Pas à voler, j'aimerais bien, on passe beaucoup de temps sur la table de montage à faire du montage vidéo sur Camtasia, sur Adobe, faire du montage vidéo, tout ça, c'est vraiment 4, 5, 6 heures. Et des fois, quand on allume la table de montage et qu'on l'éteint, on s'aperçoit pas du temps fou qu'on a passé dessus. Voilà messieurs, je vais pas trop m'attarder, je vous dis à tous, à très très vite, on se revoit pour de nouvelles aventures sur la chaîne Sim2Heaven. Prenez soin de vous, et puis moi je vous dis à très très vite pour la suite des aventures. Ciao.